Good morgen, allez, den les sucres aujourd'hui le Mishmat Dov ben Yehudit, Eviatar Amram ben Chedva, Chayester bat Miriam, Yitzhak Peretz ben Fortuna, Chaim Michel ben Sultana. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shabbat, Perikut Bet, Mishnah He. Katav ben Mashkin, ben Meperot, ben Avak Drachim, ben Avak Asofrim, ou ben Chol Navar Shenom, Mitkayem, Batour. Léachar Yado, ben Raglo, ben Fiv, ou ben Marpeko. כתב אותחת סמוך לכתב, וכתב על, וכתב על גבי כתב, נתכוון לכתוב חטא וכתב שני זיינין, אחד בארץ ואחד בקורה, כתב על שני כותלי הבית, על שני דפי פנקס, ואין נגן זה עם זה. פטור. כתב אותחת נות הריקון, רבי יהושע בן בטרה מחייב, והחכמים פוטרין. הוא קונטינוי דקוברין עונות משנה לקונדיסיון רוקיס, פורטרנסגרסל אינטרנדי דו. Kotev, écrire à Shabbat. Pour rappel, dans la Mishnah précédente, on avait précisé toutes sortes de cas où il était chayav, il était condamnable. En fait, c'est fréquent dans la Mishnayot, il y a une qui est le réciproque de l'autre, c'est-à-dire quand il y a une condition requise, alors la Mishnah elle va nous prendre deux exemples, te dire, regarde, si tu as fait ça, tu es chayav, si tu as fait ça, tu es patour. Dans la Mishnah précédente, on a vu tous les cas où on était chayav, et à présent, dans notre Mishnah, on va découvrir tous les cas où on est patour. En l'occurrence, le premier, Katav Bemashkin, s'il a écrit avec des littéralement des jus de fruits, il a pris par exemple du jus de fraise, ou, ouais, on rapporte des mitzoutim, il rapporte le Parthenora, mitzoutim, et donc il les a utilisés pour écrire, mais en fait, le principe c'est que c'est une écriture, mais qui s'efface au fil du temps, c'est pas assez fort. Bémé perot, ou encore avec tout autre jus de n'importe quel liquide. Bé avak drachim, ou encore il a écrit dans... Avak Drachim, la poussière des chemins, c'est-à-dire sur de la terre. Il a écrit quelque chose sur de la terre en écrivant. Bah, Avak Asofrim, même principe avec l'écriture des Sofrim. C'est aussi une poudre qu'ils ont, qui sortait de l'encrier, apparemment, que ça faisait de l'encre autour, je ne sais pas exactement comment c'est précisément. Kesset Asofer, qui rapporte le Barthénois, Kesset Asofer, c'est l'encrier, où est-ce qu'on trempait dedans la plume. Ou Vechol d'abord, chez les en tout cas, le point, le dénominateur commun de tout ça, c'est que ce sont des choses que d'avoir chez Enomit Kayem, des choses qui ne tiennent pas, qui ne restent pas longtemps, Patour, il sera dispensé. C'est-à-dire, le principe de toutes ces formes d'écriture sont des écritures qui s'effacent tout, naturellement, toutes seules, au fil du temps, ça ne reste pas écrit longtemps. Et donc, dans ce cas-là, il faut un ktav shel kayama, pourtant ça m'interdit d'écrire à Shabbat, un ktav, une écriture qui reste tout le temps, là, ça ne reste pas, d'accord? Tout seul, ça s'efface. Léachar, maintenant, nouvelle, deuxième série de Ptour, c'est Léachar Yadou, il a écrit avec le dos de sa main, c'est-à-dire au lieu de prendre le stylo normalement, il a mis le stylo à sa main, il a écrit comme ça. Vous imaginez l'écriture que ça va sortir, elle ne sera pas belle, donc c'est écrit de manière non conventionnelle. Béraglo, il a écrit avec son pied. Béfi, ou Bémarquepo, avec sa bouche, ou encore avec son marpec. Marpec, c'est le coude. Alors, je sais pas comment il fait pour tenir un stylo comme ça, ou est-ce qu'il le tient plutôt dans la pliure par l'intérieur, et qu'il écrit comme ça. De toutes ces manières-là, eh bien, il sera aussi patour, parce que c'est de manière non conventionnelle, et donc c'est plus menachat marchevet. Dans les interdits de Shabbat, la Torah a insisté de faire une menacha pleinement, comme il se doit, avoir une bonne conséquence. Si tu as mal fait, eh bien, tu as l'avantage, en tout cas, de ne pas avoir transgressé l'interdit de Shabbat. On utilise beaucoup tout ça, hein. Toute série, vous avez déjà dit une fois, je crois, que lorsqu'on doit transgresser Shabbat, de toute façon, pour Pikuach Nefesh, c'est fréquent pour dans les hôpitaux. Il faut tenir nécessairement un registre normal des malades et des températures, même si ce n'est pas chaque malade qui est forcément un Pikuach Nefesh à chaque instant. Mais si à la longue, on va négliger ça, à la fin, il va y avoir un malade qui va plus pouvoir... Du coup, ils ont besoin d'écrire. Et en Israël, il y a différents instituts qui ont développé des stylos, par exemple, qui s'effacent tout seul au bout de 5 heures, au bout de 12 heures. Donc comme ça, le docteur religieux, même pratiquant, pendant Shabbat, il doit écrire, c'est vrai, mais au moins il a l'avantage d'écrire avec une encre qui va s'effacer toute seule. Comme ça, après Shabbat, après, il va refondre les données. Je pense qu'à notre époque, c'est plus tellement en vigueur, parce qu'avec l'ordinateur, on a résolu bien des problèmes, puisque l'ordinateur, c'est pas une vraie écriture, d'un point de vue de la Torah. Voilà, on continue. Katavot achat samuch laktav. Encore, autre cas de figure maintenant. Donc les quatre premiers, c'était l'achariado, avec le dos de sa main, son pied, sa bouche ou son coude. Donc tout ça, c'est parce que c'est non conventionnel. À présent, un nouveau cas qui est Katav Otachat Samuch Laktav. Il a écrit une lettre proche d'une autre lettre, d'une autre écriture. C'est-à-dire, on a appris que dans la Mishnah Dalet,
qu'il fallait, même plus tôt, je crois d'ailleurs, qu'il fallait nécessairement écrire deux lettres pour transgresser l'interdit de Shabbat. Là, maintenant, on va avoir plusieurs détails sur ces deux lettres qu'il faut écrire. Et en l'occurrence, d'abord, premièrement, notion super importante, il y avait un mot qui était écrit, mais il lui manquait une lettre, et j'ai rajouté une lettre. Il s'avère que cette fois-ci, c'est vrai que j'ai pas écrit deux lettres, mais j'ai écrit une lettre super significative. Grâce à moi, le mot, il est lisible et on le comprend. Il manquait la lettre clé pour tout comprendre. C'est moi qui l'ai rajouté, et ben je ne transgresse pas l'interdit parce que j'ai pas écrit deux lettres. Malgré tout, c'est un grand ridouche. On apprendra dans le prochain Pérec, l'avis de Rabbi Eliezer, qui pense que... Il va parler par rapport à celui qui va tisser à Shabbat, mais ce sera le même principe. On en reparlera, pour le moment, on avance. Pour le moment, donc, Chachamim y pense qu'il faut écrire deux, nécessairement. Tu as écrit un seul, même si c'est un seul qui aide beaucoup, tu ne transgresses pas. À une exception, ça rapporte dans la Gemara, si j'écris la dernière lettre d'un livre, grâce à moi, tout le livre, il est devenu un bon livre. Il manquait une lettre pour le boucler. Là, ce sera un ktav important. Mais tant que c'est qu'un mot, alors c'est pas important. Bektav alga bektav, ou encore autre cas de figure, c'est ktav alga bektav, il a passé sa plume sur une écriture qui était déjà écrite. Imaginez, c'était écrit mais de manière faible. Ouais, on avait peur que l'encre elle allait s'effacer avec le temps ou quoi que ce soit. Et on a repassé dessus avec une encre de meilleure qualité. Donc c'était déjà lisible et t'as repassé dessus. Je ne transgresse plus l'interdit non plus. Nitkaven irtov chet mechatav shne zainin. C'est-à-dire, il y a littéralement, tel que c'est rapporté ici, même si concrètement, c'est assez discuté, il y a Rabbi Akiva qui parle de ça, j'explique au sens simple tel que c'est rapporté dans la Mishnah. Vous savez qu'en hébreu, regardez dans le Sefer Torah comment est-ce qu'on écrit un chet. On n'écrit pas comme un avec deux poteaux et un toit. Non. On écrit un zaïn, ou il y en a qui font vav zaïn ou deux zaïn. Peu importe, la Mishnah laisse entendre qu'on écrit au moins avec deux zaïn. On met deux zaïn et on leur met un petit chapeau pour les relier. D'accord? C'est l'octave de la Torah, l'octave Ashurit. Et là-bas, il y a le... Donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu faire un chet, et il a écrit deux lettres, et l'obédon avec le chapeau. Il s'avère que maintenant, il a écrit Zaz. Il a mis deux petits zaïn, un à côté de l'autre. Ça fait Zaz. Il a quelque chose qui est quelqu'un qui a bougé à Shabbat. Or, selon le principe, en théorie, tu as écrit deux lettres. Sauf que tu as écrit deux lettres alors que tu voulais en écrire une. Là, de nouveau, tu seras dispensé. Ou encore maintenant, nouvelle série, il y en a trois, quatre figures, ça se lit ensemble. Il faut tout traduire parce qu'en fait, on va avoir trois, quatre figures avec la condition requise à la fin. Echad ba'aretz ve'echad ba'kora, un par terre et un sur le plafond. Katav al-shne kotle abayit, ou encore il a écrit sur deux murs, ou encore al-shne d'apépinkas, sur deux... comment dire, de tableau, ou bien plutôt Rachid explique, Robert Tonnerre explique qu'on parle concrètement sur deux pages de cahier. Mais dans tous ces cas de figure, ils ne se lisent pas ensemble. C'est-à-dire, en fait, ça c'est en facteur sur les trois cas de figure. Le principe, il est que lorsque on t'a demandé d'écrire deux lettres, c'est deux lettres qui ensemble composent un mot minimal. On avait rapporté la discussion sur le Aleph Aleph, mais en tout cas, tu écris deux lettres qui ont un sens. C'est le minimum. Même si tu voulais écrire un grand mot, tu voulais écrire Nahor et tu as écrit Noir. Noir, c'est déjà deux lettres importantes, c'est déjà lisible, c'est déjà un sens. Tu transgresses l'interdit. Maintenant, si tu fais deux lettres, mais une qui est d'un côté, l'autre qui est de l'autre, et il n'y a rien à faire avec les deux, c'est pas que tu as écrit sur un papier une lettre et sur l'autre papier une autre lettre, et tu peux dans ce cas-là les rapprocher et voir que tu as composé un mot. Là, c'est même pas ça. C'est que tu as écrit sur une page une lettre et sur l'autre page de l'autre côté une deuxième lettre. Il n'y a aucun moyen de les lire ensemble, sauf si tu découpes la page et tu les colles. D'accord? La Mishnah est bien, même principe, c'est écrit sur deux murs, mais deux murs qui ne sont pas dans le même coin. Si tu écris dans le même coin, alors tu écris un Aleph et un Bet là-bas, ça fait Av. Ah, c'est lisible ensemble. Mais là, tu écris sur un mur ici et l'autre mur de l'autre côté. Donc sur le sol, sur le plafond, sur deux. Ou bien même sur deux pages. D'accord? C'est les trois quarts. Dans tous ces cas de figure, tu seras dispensé parce que tu as pas fait une mélacha importante. Tu n'as pas écrit un mot conséquent. Katav ot achat notarikon. Maintenant, nouveau cas de figure, c'est qu'il a écrit une seule lettre mais qui est notarikon. Alors, notarikon, c'est une abréviation. D'accord? Une initiale. Par exemple, il a l'habitude chez lui, les fruits qui sont de trauma, il écrit un taf. Les fruits qui est kadosh, il écrit un kouf. Un kouf, que tout le monde comprend ce que tu as écrit. Imagine une boîte, t'as écrit tzadik. Vous savez, quand il y a une boîte, t'as écrit tzadik, ça veut dire quoi? Mais pas des tzadik, évidemment. Non, c'est tzedaka, nakhon. Ouais, imaginez quelque chose comme ça, que c'est tout le monde qui le fait, une lettre qui désigne tout. Donc c'est une lettre très importante, qui permet de comprendre.
Alors là, il y a une machloket. Rabbi Yoshua ben Betera Mechaev, Rabbi Yoshua ben Mechaev, il dit, tu es chayav, parce que ça aussi, tu as écrit une lettre qui a une valeur d'un mot. Parce que grâce à elle, on comprend tout. Et malgré tout, Chachamim poterim, Chachamim dispense, parce que Chachamim se tiennent à ça qu'il faut écrire deux lettres au minimum pour écrire un mot. Une lettre, c'est pas encore un mot. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha comme tout. Salam.